Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Joël. Joël est un opérateur économique qui gère toute une équipe de commerciaux qui travaille dans trois zones différentes dans la ville de Berlin. Alors, nous allons analyser les données de vente de Joël pour des fins de data marketing. Mon nom est Stéphane Yannick Soussou, consultant formateur sur les produits Microsoft de gestion de projet et d'analyse de données. Alors, je n'ai pas de données réelles, alors nous allons ensemble générer une base de données totalement aléatoire. L'équipe de Joël compose de David, Edem, Tori, Aïcha et Love. Et donc, nous allons choisir de façon aléatoire entre 1, d'abord 1 et 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. À chaque ligne, Excel va choisir aléatoirement une personne parmi les 5. La même chose pour la zone, la même chose pour les produits. Donc nous avons Carbel, Spen, Hilton et Post-it. Et nous allons analyser sur une date, une période. Donc ici, nous allons déjà transformer notre plage de données. En y accédant par l'insertion. Tableau. Mon tableau comporte des entêtes. Alors, pour la date, je veux analyser sur plusieurs années. Donc, nous allons analyser du 2 mars 2015 au 31 décembre 2017. Je clique sur la date en question dans l'onglet accueil. Je vais dans le groupe édition. J'ai un bouton avec une flèche orientée vers le bas qui s'appelle remplissage. Remplissage, série, et Excel me propose immédiatement une série de type chronologique. Je choisis et je ouvrirai, c'est-à-dire le lundi sur ça. Je peux opérer ma série sur la colonne et je renseigne la date de fin de la série dans le format de date. Donc je vais prendre une date. Donc 2017, 12, 3. Donc je clique sur OK. Et immédiatement, ma base de données est totalement écrite de 2015. Je vais enregistrer la publication. Donc, j'appuie sur CTRL plus L pour créer un nouveau classeur. Et dans ce classeur, je vais dans l'onglet données. En données, je clique sur nouvelle requête. À partir d'un fichier, je clique sur classeur. Donc, dans l'onglet données, je clique sur nouvelle requête et je sélectionne ma base de données. Importer. Et je sélectionne mon tableau data comme je l'avais nommé auparavant. J'ai l'aperçu et je fais charger dans. Et je crée uniquement une connexion avec la base et ajouter ces données au modèle de données. Je clique sur charger. Et j'ai mes données chargées, pas dans le classeur, mais dans le requêteur de Excel.
Et quand j'amène la souris dessus, j'ai immédiatement un aperçu sur le contenu de mon fichier en question, ma base de données en question. Donc pour ce faire, pour analyser les données, je vais dans Insertion. Je clique sur la colonne 4, tableau quasi dynamique, utiliser le modèle de données de ce classeur, effectivement, feuille existante, OK, et je clique sur OK. Je vais fermer la fenêtre des requêtes et j'ai un tableau quasi dynamique que je pourrais nommer. Marketing. Ok. Donc, à partir de mes données, je vais placer les commerciaux en valeur. Je vais mettre les zones sur la ligne. Et ici, au lieu d'afficher un nombre, je vais faire un clic droit, synthétiser les valeurs. Afficher les valeurs par pourcentage du total général. Ok. Et j'ai le pourcentage. Pour formater, je vais réduire le nombre de 0 après la virgule. Voilà. Donc, dans la zone 1, j'ai 33% des ventes. Dans la zone 2, j'ai 35%. Dans la zone 3, j'ai 33%. Avec leur virgule, ça fait 100%. En filtre, je vais remettre les commerciaux pour pouvoir filtrer par le nom des commerciaux différents. Donc, je peux choisir de sélectionner toutes les données. Toutes les données sauf ceux de Corinne. Et donc, j'ai plusieurs éléments sélectionnés et j'ai le pourcentage correspondant. Donc je vais prendre tout. Ok. Et donc là, j'analyse sur l'ensemble des données, j'ai 33% sur la zone 1, 35% zone 2, 33% zone 3. Ici, je vais mettre le restant pour atteindre 100. Donc je vais faire égal 1 moins la valeur en B5. B5. Entrée. Et donc 67% pour atteindre 100 et tirer vers le bas. B6. Voilà. Maintenant, à partir de là, nous allons intégrer les graphiques. Quel graphique? On va aller dans le menu insertion. Je vais choisir ce type de graphique et je vais prendre un graphique en nano. Et je vais dans son format. Je décide de l'afficher en carré, en 5 sur 5. Ok. Ici, je fais clic droit, sélectionner les données. Dans l'onglet, dans la fenêtre, je fais ajouter et je tape 20 fois. 1. Voilà. Et je fais OK.
je vérifie, j'ai effectivement 20 éléments, je fais OK. Donc à partir d'ici, je vais supprimer la légende, supprimer le titre du graphique et donc modifier la mise en forme de la série. Je vais mettre la taille à 50%. Augmenter la taille de l'anneau. Donc à partir d'ici, je vais dans remplissage uni et je choisis de tout peindre en bleu. Ok. Donc je vais avoir un graphique pour chaque zone. Étant donné un graphique sélectionné, copier, coller, copier, coller. Je les mets côte à côte. Celui-ci sera zone 1, zone 2. Je vais mettre remplissage. Remplissage, je vais prendre vert. Ok. Donc, à partir de là, j'ai trois zones différentes. Ce vert n'est pas très visible. Donc j'ai trois zones différentes. Zone 1, zone 2, zone 3. Pour ce faire, je reclique dans mon graphique et puis je dis sélectionner les données. Cette fois, j'ajoute une nouvelle série et le nom de la série sera zone 1 et la valeur de la série sera les éléments de la zone 1. OK. Et je fais OK. Donc là, j'ai deux graphiques qui se superposent. Maintenant, comment faire pour faire passer la deuxième série sur la première? Je fais clic droit, modifier le type de graphique et je sélectionne le graphique à zone 1. OK. Et donc, elle prend le graphique à zone 1 prend le dessus du graphique que j'ai créé en premier. Je clique sur le bleu. Je clique deux fois sur le bleu pour sélectionner rien que lui. Je dis aucun remplissage. Immédiatement, on voit que le graphique qui est en dessous se fait voir. Je clique également sur le orange. Et je lui dis remplissage uni. Je vais prendre du blanc et je vais mettre la transparence à 50% par exemple. Donc d'ici, lorsque j'ai des données présentes, il
foncé lorsque je lui ai donné une prison dont il est bleu pâle. Je vais reproduire la même chose sur les autres graphiques également. Sélectionner les données, ajouter le nom de la série, zone 2, les données de la série, la ligne de la zone 2. Ok. Ok, encore. Je modifie le type de graphique, je sélectionne zone 2. Ok. Et je prends le bleu. Je lui dis aucun remplissage et mon orange se fait voir. Le jaune pâle plutôt. Je prends l'orange et je choisis le blanc avec une transparence de 50%. Je reproduis la même chose sur le graphique vert. Sélectionner les données, ajouter nom de la série zone 3. Les valeurs de la série, la ligne entière, ok, ok. Je fais modifier le type de graphique. Modifier le type de graphique, je prends zone 3, ok. Le bleu passe en double clic. Attention, aucun remplissage. L'orange passe au blanc avec une transparence de 50%. Ok, donc j'ai les données des zones différentes. Donc si je sélectionne, je désélectionne tout le monde et je prends Aïcha par exemple, que je fais OK. Lorsque les valeurs d'ici se mettent à jour, le graphique se met à jour également. Je vais afficher la valeur qui s'affiche ici dans le graphique. Déjà, je peux sélectionner format. Aucun contour, aucun design, aucun contour. Je vais insérer une zone de test ici et dire que ma zone de test, je fais égal. Et je renseigne la valeur en B5. B5. Je sélectionne et j'appuie sur la touche F4. Pour figer les lignes et les colonnes, je fais entrer et j'ai mon 31 là. Un peu de mise en forme. Je vais le mettre en quelque chose de vraiment lisible. En taille 12. Et sur le format de l'élément, je lui dis également aucun remplissage, aucun contour. La couleur de la police, on va mettre du bleu comme sur le graphique et je vais réduire ça et je vais le mettre au milieu. La police n'est pas très lisible. Ok, 31%.
Donc je clique sur l'élément, je maintiens contrôle et je clique ici. Je clique sur l'élément, je maintiens contrôle et je le déplace ici. Donc là, la valeur de l'élément sera P6. Entrée, j'ai perdu ma mise en forme. Couleur orange. Je vais prendre la couleur qui est un peu plus foncée. Police. Là, la valeur sera en B7. Ok. La couleur de la police sera ce vert. Impact. Taille. Taille. Voilà, donc quand je sélectionne les éléments, je prends Eye Cycling, je fais OK, les valeurs bougent. Quand je sélectionne la ville en plus, les valeurs bougent. Donc, à ce niveau, je peux insérer un segment. Sélectionner mon tableau croisé dynamique. Et insérer un segment. Le segment, ce sera les commerciaux. Ok. Donc, j'ai la liste de mes commerciaux. Je vais afficher sur deux lignes pour réduire ça. Ok. Je reclique sur le tableau croisé dynamique dans l'onglet insertion. J'insère une chronologie des dates. Ici, je vais afficher les dates par année. Donc, j'ai les données de vente de Joël de 2015 à 2017. Ça là et ici je vais réinsérer une nouvelle zone de test pour dire que c'est égal à la valeur ici. Entrée. Je fais contrôle production. Ici, ce sera le 6 en REM taille 18.
2018. Oula, en français. D'accord, voilà. Donc, à partir d'ici, je peux aider Joël à analyser ses ventes s'il prend Aïcha. Donc, Aïcha a reproduit de 2015 à 2007 31% des ventes en zone 1, 40% des ventes en zone 2 et 29% des ventes en zone 3. Ça me donne une idée de la performance de Aïcha en fonction de la zone qui lui est affectée. Donc, je peux analyser Aïcha et Corinne ensemble, Aïcha, Corinne et David ensemble, ou Love, lui tout seul, sélectionner l'année en question, et ainsi de suite. Non, supposons que nous sommes en 2020, que Joël aimerait savoir quelle a été son évolution de 2017 jusqu'à 2020. Donc ici, je vais augmenter ma série. Série chronologique, toujours en jour ouvré. Et je vais mettre 2020-02-29 jusqu'au 29 février 2020. Ok, ma série a été totalement mise à jour. Donc, je fais enregistrer, je retourne dans mon classeur et dans l'onglet données, j'ai un bouton actualiser tout. Je clique sur le bouton en question. J'attends. Et voilà, mes données sont automatiquement mises à jour en fonction des années. Donc, quand je désélectionne le clic, donc j'ai toutes les données de Love de 2015 à 2019, à 2020, pardon. Donc, quand je clique sur 2020, j'ai une idée de combien Love a produit en fonction des zones qui lui sont affectées, et ainsi de suite. Donc là, nous venons d'analyser la performance d'une équipe de commerciaux en fonction des zones. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.